Maman que je l'aime. Hey, fermez le porte là. Bon chaud les chats. Faut la kiffer. Bon maman, on fait combien de degrés là? On sait plus. On sait plus dire. On sait plus dire, on sait plus lire. Et 10, 10, 3, 10. Maman mia. Oh, il y a de la lumière là. Il y a de la lumière. C'est le panneau, il dit qu'il y a de la lumière. Donc s'il y a eu de la lumière, c'est qu'il y a eu de la lumière. Allez. On ferme les champs cachants. Écoute, attends. La plus grande des options. Les stateurs. On sait pas à quoi ça sert, mais c'est vital. Bon allez, c'est parti. Allez. Vas-y, pompe 4-5 fois avant. Pour que l'émetteur récepteur il puisse te dire que tu sais qu'il faut avoir des vitesses. Après t'es parti tranquille mon frère, tranquille. Ton café il est prêt, ta musique elle est prête, t'as le sourire. T'es parti, t'es prêt, t'es chaud. Ton téléphone il est là, il est prêt à charger. Il est prêt. Il est prêt, le soleil il est prêt. Il est prêt. La une. Oh là là. Mamma mia. Ah, je peux pas mettre des coups de frein, j'ai mon café qui est prêt. Non. Il y a tout qui a volé. Mon café, il a volé. Oh, on m'avait dit les freins, ils sont un peu rapides. Bah, je bois un coup. Tranquillou. On va attendre un petit peu, hein. On va en décoller. Putain, fais chier, Léo. Léo. Heureusement que j'ai pas mis mon téléphone là-dedans. Ah, il y a les flics qui viennent de passer. Ils viennent de me regarder, les gars. Comme un puceau qui regarderait Penelope Anderson. Tu vois. Oh là 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 là. Ah, ils ont bavé. Oh. Coute le V8. Ah ouais, je sais pas, je mets le 2 ou le 3. Non, le 2. T'entends? J'ai dû mettre le marche arrière juste avant. C'est pour ça que ça a cracouillé un peu. C'est bon. Elle est où le soleil? Elle est où le soleil? Elle est où? Il est là-bas. Et on y va. Bon, les freins, on y va tranquillou. Ouais, je sais pas si j'ai mis la 4. Putain, on est derrière les flics. Je vais peut-être. Oh putain. Hey, c'est sensible hein, les freins. En fait, c'est marrant parce que ça passe les freins de quasiment rien. Ah, très beaucoup de freins. Et quand ça fait très beaucoup de freins, mon copain, ça fait beaucoup de freins. La 1, la 2, costaud quoi. T'as pas un grand espace de marge de négociation, tu vois. C'est. Là, regarde, là, je peux même pas mettre la 3, tu vois. T'as vu. J'entends que ça clignote. Je sais pas si vraiment ça clignote. Ah, mais pas ton clignot! Putain! Je suis à mon café. Ah, je crois que quand on est en camion, on doit être à l'extérieur. Je sais pas, moi j'ai pas le permis. Alors, la personne qui m'a dit. Écoute le V8! Maman! T'as le temps entre les rapports, hein. T'en bats un coup. Ah, je suis à fond, il y a plus de vitesse. J'ai envie de mettre une 6 et un peu de 6. Ah, pas de 6. Ah, et te mets pas devant moi comme ça. J'ai pas de frein, moi. Non, je rigole, il freine bien. Il freine même trop bien, tu vois ce que je veux dire. Non, j'aime bien conduire avec, hein, en vrai. Je
petit bonjour au camion. C'est comme les Tesla, c'est des copains de camion, c'est des pimes pour des coucous comme ça, genre, c'est parce qu'il va y arriver. J'adore conduire ça. Tu l'entends? Ça conduit tout seul. Ah bah ouais, hein, les gars, on va se mettre derrière moi. Regarde, ils se battent. Ils se battent pour rester derrière moi. Ah ouais, les gars, faut pas aller derrière moi. Hein. Faut pas. Je suis à 67 km/h. C'est limité à 70. Je suis bon. T'es bien, mon pépère. T'es un bon pépère, toi. Ah, je sens ma guibole qui dit freine pas. Freine pas, freine pas, freine pas, freine pas, freine pas, freine pas, freine pas. Ok. Ok. Et là, il fume plus. Il fume un peu au début, puis après, c'est bon. Le début. Mais par contre, tiens, tu coupes. Le cochon en montée. En montée en deux, il y a 50. Il tire. Ah, j'adore ma camion. Je vais revendre ma voiture pour acheter que des camions. Non mais arrêtez de rouler comme des cochons, les gars. Pensez aux véhicules lents, pensez-y. Parce que quand ils vous rentrent dedans, ils pensent à vous. Voilà. Je surkiffe mon camion. Salut les copains, nous voici retrouvés dans un nouvel épisode aujourd'hui dans la restauration du camion. Ça fait un petit moment qu'on en parle, je me rends compte qu'il y a énormément de travail à faire en termes de rouille et de gestion sur la rouille. Là on va retrouver la plus grosse partie à travailler du camion, c'est assez important. On est sur une couche qui est assez épaisse, qui a été enfoncée, donc on va voir si on va réussir à la ressortir, à la désenfoncer. J'ai peu d'espoir là-dessus, mais on va pouvoir commencer à faire sauter vraiment tous les bouts de carrosserie et de mastic qui nous embêtent. Ensuite on va pouvoir appliquer un traitement sur le métal pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. On va essayer juste ensuite de repartir sur un traitement sur les plaques de métal. On a dézingué un petit peu la toiture, on a été démonter un petit peu, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, l'utilisation des matériaux, comment ça a été posé, pourquoi est-ce qu'on a des aspects un petit peu cracra. Enfin, je vous montrerai, j'ai pas mal de photos de la réalisation en cours, surtout sur le démontage où on a vu tous les petits points où c'était rouillé, etc. On se posait la question c'était quoi. Mais finalement, c'est pas grand chose. C'était les vis qui ont été utilisées comme support qui ont eu tendance à rouiller. Donc je pense qu'ils ont rouillé à cause de la bouffe, à cause de l'humidité qu'il y a dans le camion. Et il n'est pas extrêmement fermé sur l'extérieur, donc prend aussi les variations de température. Mais bon, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début, merci à ceux qui achètent les vêtements, merci à ceux qui participent en termes de commerçants qui nous offrent des choses. Notez mon dernier mot, merci à vous tous. Pour toutes les personnes aussi qui suivent les actualités sur nos réseaux Facebook, Instagram, TikTok, etc. Merci à vous tous aussi. Vous allez suivre aussi étape par étape, peut-être que je vous montrerai un petit peu plus d'avancée sur le camion. Je sais pas, je pense pas, ça sera pour la prochaine vidéo. Pareil, beaucoup de choses qui arrivent pour l'année 2024, mais on y reviendra au fur et à mesure, dans le temps. Là, on fonce parce que le temps il est compté vraiment, les minutes on n'arrête pas d'être déplacé et embêté par le téléphone, par plein de trucs, etc. Enfin t'as vu, hein, coup de fil notaire, les trucs et tout, ça n'arrête jamais. Bah je vous dis à tous à très vite, continuez à rester jusqu'au bout de cette vidéo, on reviendra sur toute cette restauration et cette rénovation dans très peu de temps. Donc merci à vous tous. Thank you.
Stop. C'est plus possible. Là, on va plus pouvoir avancer sur la rénovation. C'est officiel, il neige. Il neige tout doucement sur le secteur. Et pourtant, je vous assure qu'il fait vraiment froid. Et du coup, on a de la condensation qui est en train de commencer à geler dans l'intérieur du camion. Et du coup, on va plus pouvoir avancer sur les traitements, sur la rouille, sur le démontage. Et plus d'intérêt à le faire maintenant. Autant le laisser isoler un maximum pour qu'il puisse conserver un petit peu sa chaleur. Et comme vous le voyez, il fait vraiment vraiment froid. Je vous propose un truc, c'est que vous nous suivez tout doucement au fur et à mesure des épisodes, à la diffusion de chacun des épisodes sur cette chaîne YouTube Modernimo, et vous allez voir justement les avancées de la restauration en termes de carrosserie. Donc comment rénover une carrosserie, on va avoir la trouille perforante qui va passer à travers deux tôles. Donc je vous expliquerai comment on fait toute cette restauration, essayer d'avoir un nouveau rendu sur le camion, revenir jusqu'à une couleur d'après à petit peu près, de faire un truc assez sobre, et ensuite de repartir sur un projet vraiment off-road et de préparer justement tout ce camion pour qu'il puisse partir en forêt, qu'on puisse voyager un petit peu avec, qu'on puisse le présenter aussi sur des événements divers et variés. Vous avez l'occasion de nous retrouver sur pas mal de rassos de voitures, et puis ce serait l'occasion de présenter vraiment ce camion avec une belle remorque et tout. Enfin, moi j'ai le projet un petit peu en tête. Pour ceux qui me connaissent bien, que vous voir un truc énormément lumineux, etc., et ben oui, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux faire un truc avec pas mal de LED, etc., qui puisse s'allumer, s'éteindre, avec toute une partie de pilotage qu'on va retrouver à l'intérieur du camion. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Pareil, à l'intérieur, faire un bel aménagement, un truc moderne. J'aimerais bien aussi qu'il soit off-road, qu'il puisse descendre, monter des petites côtes ou faire un petit peu de 4x4, mais très léger pour qu'il puisse être autonome et aller sur les circuits. J'aimerais beaucoup aussi qu'il soit en vert kaki. C'est vraiment une couleur que j'aime bien. Je trouve que ça lui correspond bien. Surtout sur un aspect un peu militaire, ça lui donnerait vraiment du caractère. Donc voilà, faire un truc aussi de rando moderne, avec les panneaux solaires, avec tout ce qui va bien, une belle galerie sur le toit. Par contre, éviter de peut-être mettre trop de poids aussi. Il faut vraiment lutter contre le poids, essayer de pas faire n'importe quoi et prendre que l'essentiel. Il fait vraiment vraiment très 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 froid. Je vais me dépêcher, je sens plus mes doigts, je sens plus mon nez, je sens plus rien. Bon allez, on fonce. Je pense qu'on va profiter aussi de la neige pour aller faire un petit peu de buggy. Ce sera l'occasion de le sortir, et puis si le buggy s'en sort pas sous la neige, alors là je sais plus quoi vous dire les amis. Mais il nous prévoit 2 jours de neige, on va en profiter. Moi je peux vous dire que je vais toutes les mettre en travers là. Même le camion, je m'écouterai, je le sortirai. Le jour où il y aura mieux, plus de freins ou des freins plus gérables. En tout cas, je vous merci pour tous ceux qui nous suivent. Continuez à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu. Posez vos questions si vous en avez, si vous voulez qu'on y réponde sur les prochaines vidéos ou qu'on avance ensemble sur divers points. On va faire la carrosserie intérieure, extérieure, on va essayer de refaire le pare-brise, on va refaire plein de choses. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui arrivent parce que tout doucement on gratte le camion et on se rend compte qu'il y a pas mal de défauts sous la peinture. C'est pas des trucs qu'on voit comme ça à l'œil nu et il faudrait mettre un coup de marteau dedans pour tout voir. Je peux vous dire que moi je lésine pas, je vais à coup de ciseaux à bois, et voilà, c'est efficace aussi, ça marche bien. Et je passerai tous vous voir avec et je vous présenterai un vrai camion autonome qui saura tout faire. Bisous.